Alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente dans laquelle je vais vous montrer comment jouer un arpège de Ré 9 d'une manière assez simple. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer à partir de cet arpège comment générer un arpège de n'importe quel autre accord. Ici la condition ça va être que vous soyez un minimum à l'aise et que vous connaissiez vos intervalles. Et les intervalles qui constituent l'accord que vous voulez jouer. Je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Modern Guitar. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo en question dans laquelle je vous montrais cet arpège d'un accord de Ré 9, eh bien vous pouvez déjà aller la regarder, vous la trouverez ici. Mais pour ceux qui ont la flemme d'aller regarder la vidéo, eh bien l'arpège en question c'était celui-ci, donc un arpège d'un accord de Ré 9. Alors comment jouer cet arpège? Eh bien on commençait par un Ré sur l'accord de La, 5e case. La particularité de cet arpège, c'était qu'on jouait deux notes sur la corde de La. Donc on jouait la fondamentale et la tierce majeure. On jouait ensuite la quinte sur la corde d'en dessous. On jouait une seule note sur cette corde. Et ensuite, on jouait de nouveau deux notes sur la corde suivante. Donc on avait un pattern qui fait deux notes sur la même corde, une note sur la corde suivante, deux notes encore sur la corde suivante. C'est une position à doigter assez simple puisque vous voyez qu'il est à peu près symétrique, c'est-à-dire que grosso modo pour me souvenir de cet arpège, eh bien je visualise en quelque sorte un Z. Hein, si on fait cet arpège, en quelque sorte on dessine un Z. Et je reste à chaque fois dans le même intervalle au niveau des frettes de la guitare, ici entre la 5e et la 9e case. Donc à partir de la forme et du doigté de cet arpège, eh bien vous pouvez voir qu'on peut en déduire des arpèges d'autres accords. Tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien ça va être de changer l'une ou l'autre des notes qui constituent mon arpège. Je m'explique, si je veux l'arpège d'un accord majeur 7, 9, donc un accord majeur 7 avec une 7e majeure et une 9e majeure. Il faut que je sache une nouvelle fois quelles sont les notes et les intervalles qui constituent mon accord maj 9. Donc pour un accord maj 9, on a une fondamentale, une tierce majeure, une quinte juste, une 7e majeure et une 9e majeure. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec les intervalles, eh bien je vous recommande vivement d'aller regarder la vidéo que j'ai réalisée à ce propos. Alors si je compare l'arpège de départ qui était mon arpège de Ré 9 à l'arpège de Ré maj 9, eh bien je me rends compte qu'on a une seule note qui change et ça va être la 7e. Dans le premier cas, dans un accord de Ré 9, la 7e est mineure et dans le cas de l'accord maj 9, ma 7e est majeure. Alors tout ce qui va me rester à faire, c'est à partir de mon schéma et de mon doigté de base de l'accord de Ré 9, eh bien je vais tout simplement augmenter d'un demi-ton la 7e. La 7e, elle se trouve où? Elle se trouve ici. Donc si c'est sur Ré, on a les notes Ré, Fa dièse, La, Do, 7e mineure, et ensuite Mi. Donc je n'ai pas une 7e mineure, mais une 7e majeur, donc tout ce qui me reste à faire c'est d'augmenter d'un demi-ton cette 7e. Et je vais me retrouver avec les notes Ré, Fa dièse, La, Do dièse et Mi. J'ai gardé mon schéma et mon doigté de départ, mais j'ai tout simplement bougé une note pour que ça corresponde à l'arpège de l'accord que je veux jouer. Et en l'occurrence un arpège d'un accord maj 9. Et de la même manière, eh bien, je vais pouvoir faire n'importe quel autre arpège de n'importe quel autre accord. Tout ce qui me restera à faire, ça va être juste de garder plus ou moins ce schéma de départ, donc le doigté de départ, le doigté symétrique que je vous ai montré, et à chaque fois de bouger l'une ou l'autre des notes en fonction de l'arpège que je veux réaliser. Si je veux faire un arpège d'un accord de Ré mineur 9, celui-ci, alors ici, il va me falloir toujours la fondamentale, cette fois-ci une tierce mineure, une quinte juste, une 7e mineure et une 9e majeure. Donc encore une fois, si je compare avec mon pattern de départ sur l'accord de Ré 9, bien, tout ce qu'il me reste à faire et à changer, ça va être simplement la tierce, qui va passer de majeure à mineure.
Donc au lieu de jouer sur la corde de La un Fa dièse, je vais jouer un Fa bécard. Vous voyez que cette technique, ça va être un excellent moyen pour vous d'accélérer l'apprentissage des arpèges. Puisque vous vous rendez compte que tout ce que vous avez à apprendre, c'est au départ un pattern, un schéma de base, le doigté de base, et ensuite de changer l'une ou l'autre des notes pour correspondre à l'arpège de l'accord que vous voulez jouer. Je le répète encore une fois, le prérequis pour cette technique, ça va être de bien connaître ces intervalles et surtout de connaître les intervalles qui constituent chaque accord. Pour récapituler, je vais vous montrer un petit peu les accords et les arpèges que vous pouvez jouer à partir de cette forme. C'est ce que j'ai joué en introduction de la vidéo. Donc, vous pouvez jouer un arpège de Ré majeur 9. Aussi un arpège de Ré 9, donc celui-là, vous le connaissez. Vous pouvez jouer un accord de Ré 7 bémol 9. Donc ici, je n'ai qu'à descendre d'un demi-ton la neuvième. Vous pouvez jouer un accord de Ré mineur 9. Vous pouvez jouer un accord de Ré mineur 9 majeur 7. Donc un accord de Ré mineur avec une neuvième et avec une septième majeure. Et enfin, pourquoi pas jouer un accord de Ré mineur 7 quinte bémol avec une neuvième ajoutée. Donc vous voyez, sans véritablement apprendre une nouvelle forme, un nouveau pattern, un nouveau doigté, eh bien vous allez pouvoir jouer plein d'arpèges différents. Évidemment, le travail que vous allez devoir faire maintenant, ça va être de transposer cet arpège, de pas toujours le jouer avec la fondamentale sur Ré. Donc transposez-le dans d'autres tonalités. Essayez également de jouer à différents endroits du manche et à l'octave supérieure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On a franchi la barre des 1000 abonnés, je vous remercie encore grandement et chaleureusement, et j'espère que ça va continuer. Et pour que cela continue et grandisse, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour du côté du site internet moderneguitaronline.com sur lequel vous pouvez retrouver les tablatures de ces arpèges. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la page Instagram de Modern Guitar, sur laquelle il y a plein d'autres contenus également, notamment des petites vidéos avec la tablature, je joue des riffs, des extraits de solo, bref, il y a plein de choses, allez y jeter un œil. Et en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.